Eh bien, bonjour à tous, c'est Chabit 466 pour plein de tutos en vrac. Aujourd'hui, je vous fais la présentation de l'application Discade qui permet le transfert de fichiers de votre iDevice, donc que ce soit iPad, iTouch, iPhone, et qui est vraiment très pratique. Comme tout ce que vous avez besoin, c'est d'un câble pour connecter votre iDevice. Donc, pour ma part, je le connecte à l'instant. Donc, il va le laisser charger. Donc, vraiment une application très simple d'utilisation et à pas plus facile. Donc vous arrivez dans l'interface, il n'y a pas 1000 fonctions. Donc vous avez les musiques, les vidéos, les photos, les contacts, les notes. Vous pouvez vraiment voir tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre iPhone ou iPod, iPad. Donc vraiment très intéressant. Donc par exemple, vous voulez les musiques, il y a un ami qui vient chez vous et vous voulez toutes ces musiques. Donc c'est simple, vous cliquez dans musique. Soit vous choisissez une musique que vous voulez, donc j'en choisis une, je fais copier to computer, donc copier sur mon ordinateur, et là vous avez un écran qui vient, qui apparaît avec toutes les explications, donc c'est pas compliqué, pas besoin d'avoir fait l'université pour comprendre l'anglais. Donc qu'est-ce que vous aimeriez copier? Donc toute la librairie, donc si vous sélectionnez tout, il va copier tout ce qu'il y a sur l'iDevice. Donc pour ma part, je choisis juste le média sélectionné, donc une seule musique. Où est-ce qu'on veut la copier? Donc soit sur iTunes ou soit dans un dossier de mon choix. Donc je vais mettre un dossier de mon choix. Ensuite, dans les options, il va vous demander où c'est que vous voulez le mettre. Donc pour ma part, je vais le mettre sur le bureau. Voilà, sauvegarder. Ensuite, organiser les documents par artiste album. Donc parfait, on continue. Donc la copie va commencer. Voilà, c'est fait et c'est terminé. Comme vous pouvez le voir maintenant, si je ferme ça, il nous a créé un dossier avec le nom de l'artiste, le nom de l'album et à l'intérieur la musique. Donc qui fonctionne parfaitement. Donc voilà, c'est très simple. Vous pouvez faire ça avec vraiment tous les vidéos aussi. Vraiment tout ce qu'il y a sur votre iPhone, vous pouvez le transférer sur votre ordinateur. Donc que ce soit bien les contacts, les notes, vraiment tout, vous pouvez tout lire ce que vous avez sur votre iPhone à partir de l'ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore à dire à propos de cette application? Vous avez le file system, donc ça, je vous préviens qu'il faut être quand même un petit peu, faut quand même être, comment dire, un petit peu connaisseur, disons, voilà, parce que ça, vous allez rentrer dans des fichiers pour certains, vous avez jamais vu. Donc, je ne vais pas expliquer tout ce qui se situe là à l'intérieur, mais c'est vraiment toute la base de données de votre iPhone. Donc, évitez d'aller dans le file system ou dans ces deux dossiers-là et ne supprimez rien à l'intérieur. Croyez-moi, si vous ne connaissez pas, ne touchez pas. Occupez-vous des musiques, photos et les quatre premiers onglets. Ça sera très bien. Donc, voilà ce qui était de Discade. Donc, dans la description, vous avez le lien sur le site officiel de Discade, qui est une application payante. Donc, voilà, je vous laisserai voir. Achetez-la, si elle vous plaît. Moi, elle m'a plu, je l'ai achetée. Donc, voilà, c'était Chabit 466. N'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet plein de tutos en vrac.fr pour plus d'informations. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!